Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, en format vlog toujours parce que c'est le plus simple pour moi et comme ça vous êtes contents, vous voyez les lapins. Je voulais faire une journée dans ma peau, sauf qu'il est déjà midi, j'ai la tête du réveil encore parce que je me suis levée tard bien évidemment. Mais c'est pas grave, la journée commencera à midi, ce sera une après-midi avec nous et puis voilà. Donc je me suis levée, j'ai été faire directement des photos avec les lapins. Après ça, je vous en mets quelques-unes directement pour que vous voyez un peu ce que je fais. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur YouTube mais pas sur Insta. Et c'est vrai que les photos, je les publie toujours forcément sur Insta. Donc voilà, étant donné que du coup les lapins, ils n'ont pas eu encore à manger parce que ma maman, elle les libère juste le matin. Mais... après, du coup, comme je suis là, c'est à moi de faire. On va aller leur faire vite fait un petit plat. Parce que le matin, je leur donne pas autant à manger que le soir. Le soir, je leur donne vraiment parce qu'ils sont que dans l'enclos. Et du coup, ils n'ont pas accès à tout le jardin. Mais la journée, ils peuvent aller manger là-haut. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, je leur donne juste un tout petit peu le matin. Histoire qu'ils aient quelque chose. Mais sinon, ils font avec l'herbe et tout ce qu'ils peuvent trouver. Du coup, je vous emmène dans mon frigo. D'ailleurs, ça, c'est la liste... Je l'avais imprimé pour mes parents, c'est la liste des... Vous pouvez la retrouver sur mon Instagram dans les stories à la une de ce que les lapins, ils peuvent manger en priorité, 2-3 fois par semaine. Petite quantité à ne pas donner et les fruits autorisés. Je rappelle, les fruits, c'est que des friandises, c'est pas du tout en guise de repas. Mes mains sont horribles. Dites-vous que tout ça là, tout ce bac, c'est pour les lapins. Plus des trucs comme ça. Bon bref, je vais leur sortir un peu d'endives, de salade, un peu de céleri. Et je vais leur donner un fruit, je sais pas lequel, je vais vous montrer. Bon du coup j'ai pris de l'endive, de la salade et j'ai pris une clémentine en guise de friandise. D'habitude je vais leur mettre directement dans le plateau qu'ils ont, j'arrive pas à le montrer, mais vous le voyez, le plateau qui est là-bas quoi. Sauf que là étant donné qu'ils sont plus dans l'enclos, je vais leur donner directement. Et madame Ivoire, toujours orange, voilà. Voilà, Ivoire, elle refuit à chaque fois. Oui, j'ai de la bouffe, alors... Voilà, donc dès que c'est le printemps, printemps, été, automne, ça va encore. Et je leur donne vraiment pas beaucoup le matin. Par contre, l'hiver, je donne des vrais repas le matin, étant donné que en général, c'est gelé et que les nuits sont froides, tout ça. Ils se lassent vite, en fait, de la salade et de l'endive. Je vais leur donner la clémentine. Je sais que Vanille adore ça, mais Ivoire, je crois pas. La duchesse. Elle va pas me mordre. Tiens. Ah bah y voir aussi, elle aime ça, tu vois. Enfin, tu vois. Voyez. Les oreilles oranges. Est-ce que tu vas laisser la salade pour ça ou pas? Non. Je vais la poser là. Bon du coup comme d'habitude, dès qu'ils ont fini de manger, après c'est l'heure de la sieste, enfin de la toilette et de la sieste. Donc c'est une heure où je peux rien faire avec eux de toute façon. Je vais en profiter pour aller me préparer parce qu'il serait temps que je change tout ça. Et bah, je reviens dès que messieurs, mesdames seront
actif. Bon, du coup, je vous reprends. Il est 15h et quelques. Finalement, changement de programme. On va au zoo de Beauval avec mon frère. Donc, bah, je vous filmerai un petit peu là-bas, ce qu'on y fait. Et bah, voilà, c'est tout. C'est totalement à l'improviste. C'était pas prévu. Comme vous l'aurez compris, je n'avais pas prévu de faire un vlog comme ça, d'aller au zoo, etc. Mais comme la vie avec moi, c'est toujours sur un coup de tête, et bah voilà. ce vlog s'achève donc ici. J'espère que ça vous aura plu quand même. Bon, ça reste dans le thème des animaux, sinon de toute façon, je n'aurais pas publié la vidéo. Enfin, j'aurais pas rentré ça dans le vlog. Vous aurez quand même vu les lapins au début de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.